Et coucou tout le monde, cette semaine on se retrouve pour vous apprendre à coudre une magnifique cape qui est une cape en fait circulaire. Il y a plein de tutos sur internet pour apprendre à faire une cape à partir d'un cercle. Et on a voulu pimper un petit peu cette version là en faisant des pans et en ajoutant une ceinture. Donc on vous expliquera dans le tuto comment faire ça. Si jamais vous sentez que c'est un petit peu compliqué pour vous, vous pouvez très bien juste découper le cercle, faire le petit trou pour la tête, enfin la forme du devant aussi quoi, mais en gros vous ajoutez juste la parementure, il y aura pas de ceinture, mais c'est tout à fait possible si jamais vous le sentez pas. Voilà, c'est possible de faire une cape à partir d'un cercle. Voilà. Voilà. On fait des gros bisous à Nina qui a gentiment accepté de poser pour nous dans cette vidéo. Et on avait également fait un post sur Instagram pour vous demander ce que vous pensiez qu'on allait coudre avec ce tissu. Et on avait dit qu'on allait citer les trois premiers à deviner. Et les trois premiers, c'est Mimosa les Jolies Choses, Gorosor et Kakorats. Bravo à vous! Si jamais vous vous posez la question, ce magnifique tissu qui est un jacquard, je pense. Je sais plus en quoi, mais c'est un jacquard qui vient de chez Mondial Tissu. Voilà, c'est là-bas qu'on l'a trouvé et qu'on l'a acheté. Avec notre argent. Vous allez vous rendre compte à la fin du tuto, on a perdu quelques rushs. On sait pas où ils sont passés. Trop la flemme de les refaire, du coup on se retrouve à la fin de la vidéo et je vous explique, parce que c'est des étapes simples, je vous explique comment faire tout ça. Si vous êtes tombé sur cette chaîne par hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, on est Hello Superette, une chaîne de couture, si vous ne l'avez pas remarqué. On vous conseille de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'on sort une vidéo. On en sort toutes les semaines, mais si jamais vous avez peur d'oublier, petite cloche, notification, bam. Voilà, du coup on vous laisse avec le tuto. Et du coup pour réaliser cette cape, il vous faudra environ 2 mètres de tissu. Et c'est tout. Comme je l'ai dit dans l'intro, pour réaliser cette cape, il faut couper un grand cercle. Et pour ça, on commence à plier notre tissu en 4 pile poil au milieu. Et on va découper un cercle dans la largeur maximum de notre tissu. Du coup, c'est 1,40 m. Donc grosso modo, on part de la pointe pliée de notre carré. Et on va venir tracer un arc de cercle de 70 cm. Parce que 70 plus 70 est égal 140. Si jamais vous avez un peu plus que 70, prenez le maximum. Comme ça, vous aurez une cape un peu plus longue. Et vous pourrez toujours la recouper si vous la voulez plus courte. Si jamais vous la voulez plus longue, ce serait une autre histoire. Il faudra couper 2 demi-cercles dans le tissu blablabla, mais ça, c'est pas la leçon d'aujourd'hui. Une fois qu'on a tracé notre quart de cercle à 70 cm en partant de la pointe, on vient la découper et on va tracer un quart de cercle exactement de la même manière, mais cette fois-ci à 7 cm de la pointe. Et ça, ce sera notre encolure et ce sera pour passer notre petite tête. Voilà, on a notre base de la cape. Maintenant, on va découper la fente du devant parce que sinon, ça s'appelle un poncho. Et pour, et pour ça, on va la déplier une fois. Donc, elle est toujours pliée en deux et pas en quatre. Et on va prendre un des côtés qui est plié. On va découper le long de ce pli-là. Et comme ça, on aura notre devant découpé. Ok. Ok, ok, ok. Donc, comme je le disais, si vous voulez faire une circle cap, vous découpez une parementure qui a la même taille que le trou de votre cap, vous la cousez et en gros, votre cap, elle est presque finie, emballée, c'est pesé. Nous, on a voulu faire une version un petit peu plus moderne avec une ceinture et du coup, on a découpé des pans. Pour découper les pans, toujours notre cap plié en deux, on va rabattre le devant de notre cap, là où on a découpé la fente, et on va aligner les bords du devant contre le quart de notre cercle. Alors, j'imagine que c'est beaucoup plus compréhensible en regardant les images. Une fois qu'on a aligné les bords du devant contre le car ça crée un pli et on va découper contre ce pli et ça nous fera nos deux pans. Et c'est grâce à ces deux pans qu'on va donner une illusion de superposition, Et c'est grâce à ces deux pans... Et c'est c'est grâce à ces deux pans qu'on va créer une illusion de superposition de cape veste cintrée à la taille avec une ceinture. Et on va expliquer ces étapes de superposition d'un côté pour que ce soit plus clair. Donc du coup, on ramène le pan sur la cape de quelques centimètres. Ce qui est bien, c'est d'avoir sur le devant, vous voyez, une vingtaine de centimètres. Et pour exécuter la même superposition de l'autre côté, on va placer notre autre pan par-dessus le premier qu'on vient juste de placer et l'autre morceau de cape par-dessus l'autre morceau de cape qui est en dessous. Et donc là, il faut faire attention de placer l'autre devant de cape bien aligné avec le devant de cape qui est en dessous et pas l'aligner avec le pan. Vous avez bien compris. Une fois que tout est aligné à la perfection, on va venir faire un petit cran sur chaque épaisseur
à 1 cm du devant de la cape. Donc pas du devant du pan, la cape en elle-même. Ok, tout le monde respire, c'est clair. On fait un cran au niveau du col et au niveau du bas de la cape. Une fois que les crans sont faits, on va dégager un côté de la cape et un des pans. Pour l'instant, on s'occupe que d'un seul pan et que d'un seul côté de la cape. Vous le saviez pas jusque-là, mais la cape est envers face à nous. Du coup, vous allez prendre le pan et vous allez mettre en droit face à vous. Vous le retournez, vous le glissez sous la cape et vous faites recorrespondre les crans qu'on a fait un tout petit peu plus tôt. Et du coup, vous avez l'endroit du pan qui est contre l'endroit de la cape. Ça a l'air compliqué à comprendre, mais si vous faites ça avec moi étape par étape, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Ok ? Donc on respire, on prend son temps, ça ira. Une fois que les crans correspondent, on va venir épingler tout ça et on va coudre à 1 cm du bord de la cape. Du bas, on coud 12 cm et du haut, on coud à peu près 17 cm. Une fois que c'est cousu, on peut venir surfiler le bord de la cape et les bords du pan également. On va venir finir cette fente en marquant un petit repli sur le bord de la cape de 1 cm. Mais du coup, on ne surpique que la cape. Il ne faut pas prendre le pan dans cette surpiqûre parce que sinon, ça va fermer la fente. Et le but, ben, c'est de passer sa main dans la fente. Hein. Alors si elle est fermée, on ne pourra pas le faire. Hein. Je me rends compte que c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est pas le plus dur à faire en fait. C'est juste vraiment difficile à expliquer. Mais avec les images, normalement, ça devrait être très bien quoi. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et on va pouvoir passer à la parementure. Pour ça, on vient placer notre cape bien à plat sur le tissu, le morceau de tissu qui nous reste. On épingle la cape au tissu pour pas que ça bouge. Et on va venir découper en suivant les bords du devant et le tour de l'encolure. Une fois que c'est fait, on retire la cape et on va venir redécouper à 15 cm autour de l'encolure. Comme ça, ça nous fait une parementure assez grande et assez jolie. Et puis voilà, il n'y a pas de raison. Avant de l'assembler, on vient surfiler les bords. Et c'est à ce moment-là qu'on a perdu une roche. Voilà. Et du coup, pour assembler la parementure, il faut venir la placer endroit contre endroit sur la cape. Et coudre au niveau des côtés et tout autour de l'encolure. Voilà, donc ça c'est pas compliqué, normalement si vous nous suivez vous savez déjà faire. Hein. Ensuite on est venu la fixer avec un point invisible parce qu'elle est quand même assez grande et elle se baladait pas mal sous la cape. Du coup hop, petit point invisible à ce niveau là et aussi dans le dos. Et du coup après on est venu découper une ceinture de la largeur maximum de notre tissu, c'était 140 cm par 12 cm. Donc ça nous fait une ceinture une fois qu'elle est assemblée, ça nous fait une ceinture de 5 cm de large. Pour l'assembler à la cape, on enfile la cape, on enfile la ceinture derrière son dos sous la cape, on la fait passer par les deux pans de devant, on fait un petit nœud pour que ce soit bien noué et on va venir tirer les deux pans derrière et on vient épingler les pans et du coup je sais pas si on va voir, en gros la ceinture elle est fixée sur les deux pans à l'arrière, voilà, comme ça, c'est comme ça que ça tient. On fera un plan pour que vous compreniez mieux. On est venu finir les deux devants en faisant un petit tourlet sur le devant et on a posé un biais sur tout le bas de la cape. Donc il y a un petit truc technique pour poser le biais sur la cape, donc on a posé un biais sur les deux pans et ensuite on a fait une petite encoche pour pouvoir passer un biais sur tout le bas de la cape. Sans faire de raccords quoi. Sans faire des raccords. C'est à peu près tout ce qu'il y a à voir sur la cape. On espère que c'est assez clair parce que c'est franchement un casse-tête à expliquer, mais en vrai, quand je l'ai fait et quand je l'avais dans ma tête, c'était pas compliqué du tout. Si jamais quand même vous arrivez à réaliser cette cape, envoyez-nous une photo sur Instagram ou sur Facebook. Si vous la réalisez pas, vous pouvez quand même venir papoter avec nous sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne hein, pour recevoir une notif à chaque fois qu'on sort une vidéo. On sort une vidéo chaque semaine, mais quand même. Si vous avez raté la vidéo de la semaine dernière, vous pouvez cliquer à ce moment précis. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao.